Bon, aujourd'hui, au programme montage d'un support d'un dossier pour XMAX 2015. Hein. Je pense que c'est à peu près pareil pour tous. Voilà. Il est quasiment tout d'origine. Bon, j'ai le support et tout, aussi de plaques, mais. J'ai pas encore reçu le support, mais j'ai le plastique. Mais bon, je vais attendre de tout recevoir pour le monter. Et donc, le dosseret. J'ai le cache. Plus. On a le dosseret. À la base, il a été démonté sur un Evolis. Mais c'est pareil. Ça monte aussi. Bon, allez. C'est parti. Je vais essayer de faire vite. J'ai pas fait un truc trop long. Donc, pour commencer, ici, il y a deux vis à démonter. Donc ça, moi, c'était mon support top case. On va l'enlever aussi. Il y a deux vis ici et une ici. Bon, les cinq vis sont enlevées. Et normalement, voilà, ça vient tout seul. Voilà. Voilà le résultat, on voit le moteur, le pneu. Voilà. Bon. Ce qu'il faut enlever maintenant, c'est ça. Pour pouvoir libérer le cache. Donc, je prends juste un petit tournevis, tu appuies sur le petit trou là qui est au milieu. C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut enlever, c'est les deux vis ici. Pour ensuite, pour enlever la serrure là, et ensuite avoir accès aux vis qui sont ici. Et il y en a deux autres derrière. Ah, mais moi, j'ai ça qui me gêne, donc je dois les enlever aussi. Et ça c'est la mienne, hein. C'est pas fourni avec. Non, ça normalement c'est pas tout le monde qui l'a, ça. Y'a que moi. Hop. Et voilà, juste on tire et ça vient tout seul. Donc ensuite ça, on dévisse, on enlève. Comme je vous ai dit, normalement. Deux, trois vis. Voilà. J'ai réussi à enlever le support qui était ici. Et maintenant, je vois. Je place le dosseret comme ça et ensuite je viens de fixer avec les vis. Là, je peux pas filmer et tout faire en même temps. Donc, je fais pause et je reprends après. Donc, voilà. Et j'ai mis les vis. Et là, on voit les vis. Là, là. Et là, maintenant, il faut que je serre. Et je vais remettre la serrure là en place. Et ensuite, je monte les caches. Et ensuite, je remets le coffre. Bon, après, pour ce petit truc, pour le remettre, après, c'est l'inverse. Tout à l'heure, il fallait appuyer. Maintenant, il faut appuyer là. Et il faut le sortir comme ça avant de le mettre. Ensuite, une fois qu'on est rentré dans le trou, on appuie. Bon, voilà le travail, ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des petits commentaires s'il faut. Et voilà. Dites-moi ce qu'il y a à améliorer. Bien fixé. Je vais galérer quand je vais devoir remonter le nouveau garde-boue court là. Parce qu'il faudra que j'enlève tout. Il faudra que je le enlève ce bordel. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Il fait beaucoup plus sport direct.